Bonjour à vous, les belles âmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, vous pouvez dès à présent vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour être informé des nouvelles méditations et autres vidéos. Vous pouvez également nous soutenir en partageant, en likant ou encore en faisant un don avec les liens que vous trouverez sous cette vidéo. Bonjour à vous, je suis Anne-Sophie de Les Âmes Sauts et je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui pour cette toute nouvelle méditation. Une méditation qui va vous permettre de relâcher vos tensions, de vous relaxer et de plonger dans le calme d'un paysage intérieur. Pour le moment, je vous invite à prendre le temps de vous installer. Trouvez la meilleure position pour vous maintenant. Votre posture n'est pas figée. À tout moment, vous pourrez la modifier pour être le plus confortable pour vous. Prenez le temps de laisser votre corps arriver dans cette nouvelle position. Et posez déjà l'intention d'entrer dans un temps de relaxation. Un temps où vous n'avez rien à faire. Un temps où vous pouvez laisser votre corps tranquille, votre esprit tranquille. Et si ce dernier souhaite encore se balader dans le monde de vos pensées, eh bien laissez-le faire. Vous n'êtes pas obligé de suivre son élan. Vous pouvez dès à présent choisir de vous centrer sur vos sensations corporelles et sur votre respiration. Choisissez de vous poser ici, maintenant, pleinement dans votre présence. Permettez à votre tête de se décontracter, aux traits de votre visage de s'apaiser, vos mâchoires se desserrent, votre langue se décolle du palais. Présence de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Présence de votre dos qui s'étale. Présence de votre buste, de vos abdominaux qui se décontractent. Présence de votre bassin, de vos cuisses et des muscles des cuisses qui se décontractent. Présence de vos genoux, de vos mollets, de vos chevilles et de vos pieds des talons jusqu'au bout des orteils. Un temps maintenant pour accueillir votre pleine présence, du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos pieds.
et dans ce moment qui n'appartient qu'à vous. Peut-être repérez-vous, présente encore dans votre corps, une tension, une zone moins confortable, moins agréable. Je vous propose de venir porter votre regard sur cette tension ou cette sensation moins agréable. Et je vous invite, à l'aide de votre respiration, à venir la libérer et la pulser à l'extérieur de vous. Votre attention est posée sur cette sensation peu confortable, sur l'inspiration. Imaginez venir cueillir délicatement cette tension. Et sur l'expiration, imaginez pulser cette tension à l'extérieur de vous avec tout autant de délicatesse. Puis recommencez. J'inspire et je viens chercher cette sensation, cette tension. Je l'accueille avec douceur. J'expire, je souffle sur cette tension afin de la faire s'envoler à l'extérieur de mon corps. Prenez les prochaines minutes pour expérimenter. Une manière de vous rendre plus disponible. J'inspire la tension et j'expire, je la pulse délicatement à l'extérieur de mon corps. Maintenant, revenez au contact d'une respiration plus naturelle, moins guidée. Accueillez son mouvement, sa présence, son rythme, son amplitude. Je vous propose alors de porter votre attention au niveau de votre ventre. Si cela vous aide, vous pouvez déposer votre main environ à hauteur de votre nombril. Et dans l'intention de venir poser votre respiration dans cette partie de votre corps,
Laissez-vous vivre ce temps de respiration abdominale lente. Sans intellectualiser, mais peut-être en vous concentrant un peu plus sur cette partie, vous pouvez déjà guider votre respiration. Lorsque vous inspirez, votre ventre pousse vers l'avant. Il se gonfle. Lorsque vous expirez, votre ventre revient vers l'intérieur. Il se rentre. Expérimentez cette respiration abdominale plusieurs fois. Et peu importe son amplitude. Essayez chaque fois de la rendre plus fluide, moins saccadée. Inspiration, le ventre se gonfle. Expiration, le ventre se dégonfle, ainsi comme un mouvement continu, comme une vague qui va et vient et qui devient de plus en plus naturelle. Pas de force, pas de tension. Juste votre regard attentif au mouvement, à vos inspirations, à votre ventre qui se gonfle, à vos expirations, à votre ventre qui se dégonfle. Et votre respiration se fait à son rythme, dans son amplitude. Et s'il vous faut ajuster votre position, alors prenez cette liberté. Et chaque vague respiratoire vous apporte un peu plus de calme, un peu plus d'apaisement. Prenez le temps de sentir, de ressentir, de vous mettre à votre écoute. Et ce qui se passe pour vous maintenant est tout à fait juste. Il n'y a rien à vouloir en cet instant. Si vous sentez le besoin, l'envie de laisser s'amplifier votre respiration, si vous sentez l'envie de respirer plus amplement, de telle façon à ce que vos côtes s'ouvrent, votre thorax se soulève, eh bien laissez faire. Laissez vivre. Et si l'inspiration reste une action volontaire, l'expiration vous permet de relâcher. J'inspire, mon ventre se gonfle.
J'expire, mon ventre se relâche. Revenez maintenant tranquillement à une respiration moins guidée et respirez tout à fait librement. Prenez le temps de laisser vivre les sensations, les émotions à l'intérieur de vous, sans les juger. Peut-être repérez-vous alors maintenant à l'intérieur de votre corps une sensation particulièrement agréable, confortable. Une sensation de détente, peut-être, de douceur, de paix intérieure, d'harmonie, d'amour. Une sensation que vous aimeriez garder avec vous pour le reste de votre journée, de votre semaine. Alors, à l'aide de votre respiration, je vais vous inviter à venir ancrer cette sensation tout en dedans de vous. Vous inspirez et vous cueillez cette sensation douce et agréable. Vous expirez avec cette intention de la diffuser dans tout votre corps et dans l'espace de votre cœur. Inspire, venez ramasser délicatement ce confort. Expire, ce confort se diffuse tout à l'intérieur de vous. Et petit à petit, pas à pas, c'est tout votre corps qui devient de plus en plus moelleux et l'espace de votre cœur qui, à sa manière, peut se mettre à rayonner. Accordez-vous ce temps de respiration. Accordez-vous ce temps pour apprécier. Appréciez votre état maintenant. Pour vous-même, voyez comment vous vous sentez. Et peut-être que de manière spontanée, un mot vous vient. Laissez naître ce mot s'il se présente. Et si rien ne se présente encore, ne cherchez pas, laissez faire, c'est très bien comme ça. Laissez vivre tous ces mouvements et sensations à l'intérieur de vous. Baignez dans ce calme intérieur plus grand. Laissez venir à vous un endroit où vous aimeriez être maintenant. Peut-être est-ce un bord de mer, au soleil, un chalet de montagne. Peut-être votre chez-vous, devant un feu de cheminée. En pleine nature. Voyez pour vous ce qui se présente spontanément et laissez vivre cet instant. Et si dans cette image, quelque chose ne vous convenait pas, vous pouvez la changer, la modifier, pour qu'elle devienne juste parfaite pour vous.
profitez de ce moment qui n'appartient qu'à vous pour vous laisser voyager dans cet espace intérieur, celui dans lequel vous êtes bien, celui qui vous appelle maintenant. Sans restriction, laissez-vous aller à ce qui vous anime à l'intérieur. Puis vous reviendrez tranquillement dans l'espace de votre corps physique. Vous reprendrez contact avec le support qui est là, votre chaise, un fauteuil, votre lit. Vous reviendrez en lien avec votre respiration. Vous pourrez prendre une grande inspire et vous laisser profondément expirer. Vous pourrez à votre rythme remettre votre corps en mouvement. Vous étirez, bâillez, peut-être soupirez. Et lorsque vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, vous ouvrirez vos yeux. Namasté.